Dans cette capsule vidéo, je vous explique comment ouvrir le bloc-notes de classe, mais dans mon application OneNote qui est déjà installée dans mon ordinateur. Pour faire ça, j'ouvre Teams et je vais aller dans le bloc-notes de classe. Lorsque je suis dans mon bloc-notes, je vais aller dans la section du haut où on indique « Ouvrir dans le navigateur ». Je vais appuyer sur la petite flèche et je vais choisir « Ouvrir dans l'application de bureau ». Ainsi, en cliquant sur cette option, je vais avoir mon OneNote qui va s'ouvrir directement avec mon bloc-notes à l'intérieur. Donc, on retrouve ici mon bloc-notes qui est ouvert et mes différentes sections. Donc, je peux vraiment configurer à partir de OneNote et ça va se synchroniser. C'est très pratique parce que dans le OneNote, j'ai beaucoup plus d'options. Donc, je peux aller vraiment configurer, organiser mon bloc-notes et ensuite les élèves vont y avoir accès normalement dans le team. Si jamais vous voulez utiliser l'envoi des pages ou des sections aux élèves, vous devrez par contre utiliser le bloc-notes de classe dans Team, puisque dans le OneNote, les options ne sont pas à cet endroit-là. Donc, on retourne dans ce cas-ci à Teams et on a les options pour le bloc-notes. Donc, si je regarde ici, je vais avoir les options bloc-notes de classe qui ne sont pas disponibles dans OneNote.